C'est encore une fois un très gros calvaire pour la jeune chanteuse Weshden, qui fait pourtant sensation dans les ventes et dans les écoutes sur toutes les plateformes de streaming. Il se trouve que son album s'est sorti il y a tout juste quelques mois et a pu faire un très gros carton contre toute attente. Son single Coco a marqué les esprits, car il se trouve qu'avant celui-ci, elle n'était connue que par une petite partie de son public actuel et celui-ci a bien évolué avec le temps. Alors que certains artistes mettent des années à pouvoir espérer passer à la radio mais également dans les médias à la radio ou à la télévision, on peut dire que la jeune chanteuse Weshden a fait une vraie ascension fulgurante, et cela est très surprenant. Il se trouve que de plus en plus de personnes sont de très grands fans de la chanteuse Weshden, que cela soit depuis son grand tube Coco ou encore sa toute dernière chanson qui a pu mettre en avant les jeunes femmes enceintes. Mais dernièrement, les rumeurs complètement folles autour de Weshden n'ont pas arrêté d'affluer, même si personne n'allait pouvoir imaginer une seule seconde que l'on allait pouvoir regarder Wesden à la co-animation d'une émission mythique de TF1 que l'on peut voir toutes les semaines depuis des années maintenant, 50 et Men Inside avec l'animateur Nikos Aliagas. Cela a été une vraie surprise pour tous les fans de Wesden de voir la jeune femme débarquer dans le programme de TF1 qui fait chaque semaine un très gros carton d'audience. Il faut dire que cette émission permet de présenter de grands reportages, et ils sont très appréciés par les téléspectateurs de l'émission qui sont de plus en plus exigeants. Les téléspectateurs ont donc été très surpris de voir Weshdenko animer cette grande émission avec Nikos Aliagas, alors qu'elle est très jeune, c'est une chance incroyable pour elle d'avoir pu être à l'antenne pour présenter une émission devant toute la France. Weshden est en difficulté, ses fans sont également très inquiets pour sa santé depuis sa dernière hospitalisation. Mais malheureusement, on peut dire que le résultat n'a clairement pas été à la hauteur, les téléspectateurs ont été très nombreux à se plaindre, notamment sur le réseau social Twitter où on a pu voir par ailleurs beaucoup de messages de haine parfois très malveillants. La carrière de Wesden est elle déjà terminée pour la télévision. Ces derniers jours auront été assez éprouvants pour la chanteuse Wejden. Il se trouve que l'on a pu la voir sur un lit d'hôpital ces derniers jours, ce qui a pu étonner toute sa communauté. Bien que ces derniers jours, elle a pu montrer qu'elle allait un peu mieux, on peut dire que cela a vivement inquiété les fans, certains veulent absolument savoir ce qui a pu se passer et malheureusement la chanteuse est restée très discrète à ce sujet.